Laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques en ce lundi matin et bienvenue pour ce concert Musique en Liberté. Alors la liberté, c'est quoi? Eh bien aujourd'hui la liberté, c'est de réunir deux entités musicales qui n'ont pas finalement la vocation de se rencontrer d'habitude. D'un côté, comme en sport, les locaux, l'orchestre des Carabiniers du Prince, que vous connaissez bien, et de l'autre côté, pour les affronter, l'Académie musicale de Liesse. Mais non, ce ne sera pas une confrontation ce matin, simplement un bon moment musical que nous allons partager ensemble. Et comme dans toute bonne Bible, elle commence par la Genèse, je vais laisser la parole à l'abbé Christian Venard, délégué épiscopal, qui va venir vous expliquer justement les origines de ce projet. Je vous demande de l'accueillir, l'abbé Christian Venard. Merci, Verxel. Bonjour à tous. Il y a un petit village, très loin d'ici, très très loin d'ici, tout petit village, qui s'appelle Liesse, mais très fameux depuis le Moyen-Âge, parce qu'une princesse musulmane y aurait été transportée miraculeusement pour se convertir au christianisme. Ce petit village, Liesse, est devenu un immense centre de pèlerinage. Les rois de France en avaient fait un de leurs lieux préférés de pèlerinage. Et dans ce petit village, aujourd'hui, se trouve un carmel dans lequel il n'y a plus de carmélites, mais des garçons, ceux que vous allez voir dans quelques instants, l'Académie musicale de Liesse. Mais comment peut-il y avoir un lien entre ce petit village si loin en Picardie et Monaco? Eh bien, pour ceux qui connaissent bien leur géographie, qui connaissent bien la famille Grimaldi, c'est que juste à côté, à 3-4 km du village de Liesse, se trouve le château de Marché, propriété des Grimaldi depuis longtemps maintenant. Et c'est comme ça que des liens se sont créés, j'allais dire presque naturellement, entre eux, notre famille princière et l'Académie musicale de Liesse. C'est comme ça qu'il y a 5 ans déjà, nous avions eu l'idée à l'archevêché d'inviter les garçons de l'Académie musicale de Liesse à venir avec nous pour la Semaine Sainte, pour accompagner de la beauté de leur voix les offices de la Semaine Sainte. Et c'est ce que nous avons souhaité recommencer cette année. Donc depuis 6 jours, nous exploitons les voix de ces pauvres garçons. Ils sont bien fatigués, je crois, mais ils sont heureux d'être là aujourd'hui avec nous. Et dans tout le programme, on a eu l'idée aussi qu'ils aient quelques contacts avec nos amis carabiniers. Et en particulier a surgi cette idée d'un concert commun entre notre cher orchestre des Carabiniers, qu'on peut vraiment remercier aujourd'hui parce que beaucoup d'entre eux auraient peut-être préféré passer le week-end de Pâques en famille. Eh bien, ils sont là avec nous. Et puis, nos amis, les garçons de l'Académie musicale de Liesse. J'ai déjà trop parlé, il est temps de laisser la place à la jeunesse, à la musique et à la joie de Pâques. Mesdames et Messieurs, je vous demande donc de les accueillir. Ils sont 72 garçons entre la CM1 et la terminale. Voici, Mesdames et Messieurs, accompagnés de leur directeur, M. Vianney Chatillon, l'Académie musicale de Liesse.
Le chant de l'espérance, dont le texte en français eh bien, parle de tout ce qu'il y a de bon dans le cœur de chaque enfant. Thank you.
sobre et calme. Et puis maintenant, je vais laisser Charles Sisley, qui a dirigé tous les offices pendant la Semaine Sainte à la cathédrale, vous présenter un chant un peu particulier et très différent. Oui, effectivement, on va changer un peu de registre. On va rester dans le sacré quand même, parce qu'il s'agit d'une version du Notre Père, prière chrétienne, mais un peu remaniée dans la langue swahili, donc africaine. Et pendant les gens, on a quelques percussions pour les accompagner. Et c'est par le compositeur Christopher Tin, qui fait notamment des musiques pour des films et pour des jeux vidéo, et sur des paroles de Chris Kiagari.
va s'asseoir. C'est maintenant l'ensemble de musique actuelle qui va vous proposer une œuvre de un chant de musique de Toto, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Africa. Donc on reste un peu en Afrique. Vous avez Auguste au piano, Jean-Roch au clavier, Louis à la batterie, Elzéa à la guitare, Donatien également à la guitare, aux percussions, vous avez Élie, et puis en chant, Vianney, vous avez Martin également derrière moi. Thank you.
Jude.
Altesse, Monseigneur, mon colonel, j'espère que vous passez une bonne matinée de Pâques, mais elle n'est fait que commencer. Trois parties dans ce concert. Voilà, la première partie, vous les avez entendues. Je vous parlais tout à l'heure quand on était présents dans une compétition sportive. On a eu l'Académie musicale de Liège et maintenant on va revenir à domicile. On a laissé l'honneur à ceux qui nous visitaient. Et maintenant ils s'installent et je vous demande de les accueillir. Vous les connaissez bien. Ils nous font l'honneur d'être là ce week-end de Pâques. L'orchestre du Carabinier du Prince. Et évidemment, un orchestre ne vaut aussi que par son chef d'orchestre qui est là, le maestro aujourd'hui, et je vous demande de l'accueillir, le major Olivier Dréan. Mais ils savent aussi nous surprendre, et j'espère qu'ils vont encore vous surprendre ce matin. Alors, bonne continuation et bonne musique.
l'orchestre des Carabiniers du Prince. I dreamt a dream. Et maintenant, et bien comme on est très fair play dans le sport à Monaco, on aime aussi réunir ces deux équipes. Et Major, première intervention de l'Académie musicale de Liège avec vous ce soir. Et je vais appeler Jean-Roch. Jean-Roch est quelque part, il est là, voilà qu'on peut applaudir. Qui vient avec sa trompette. Et qui vient rejoindre l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Et après, I dreamt a dream. Let's see what a wonderful world can be, right? On va lui faire plaisir, Jean-Roch et son orchestre Carabiniers du Prince. Alors Major, si on vous en rajoute encore un petit peu, on peut vous en donner d'autres des musiciens si vous voulez. Eh bien on va peut-être accueillir par exemple Jean-Roch qui va rester. Et Jean-Roch, parce qu'il sait faire de la trompette, mais il sait aussi faire du clavier. Donc il s'y met. Il va y avoir à la guitare Célestin qui nous rejoint. Au corps, Augustin. Et au chant, on retrouve tout de suite, pour vous interpréter, parce qu'on va aller encore plus haut, Donatien nous rejoint, et on va s'envoler, après avoir parlé de la Terre et de ce rêve de Terre, allons voir ce qui se passe dans l'espace. Fly me to the moon. You are all I long for, all I worship.
applaudis bien fort. Ils sont nombreux, ils se mettent tous debout et on vous propose, eh bien pour ce moment final, de les entendre tous ensemble pour plusieurs morceaux, rassurez-vous. Et je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, et ils ont besoin évidemment de vos encouragements. Ils sont, on vous l'a dit tout à l'heure, assez fatigués, ils ont passé un week-end incroyable. Je pense qu'ils ont plein de, déjà d'images, de souvenirs dans leur tête, mais aussi un petit peu de fatigue, n'est-ce pas? Un petit peu. Mais ils vont continuer quand même. Alors, on leur laisse la parole. Ils vont continuer à vous interpréter leurs chansons tous ensemble. Monsieur Vianney, Chatillon, la direction est donnée, eh bien voilà, parfaitement. Et même les jeunes savent diriger. Et donc, nous allons partir pour Amazing Grace. Sweet the sound of a tender rain.
C'était un moment incroyable pour nous, mais je pense aussi surtout pour vous. Vous avez passé une très très bonne semaine. Et voilà, leur histoire va continuer. Leur histoire va continuer d'abord sur la route, parce qu'il va falloir qu'ils fassent tous les kilomètres de retour, un petit peu d'heure de bus. Vous allez pouvoir bien dormir, je suis sûr que ça va être très calme dans le bus au retour. Et simplement, leur histoire continue. Et leur histoire continue parce qu'elle va passer par un déménagement, un grand déménagement. Ils vont descendre un petit peu, ils vont aller dans la Sarthe, dans de nouveaux locaux, 5000 mètres carrés, vous m'aviez dit tout à l'heure, qui vont permettre eh bien, de pouvoir continuer cette académie qui est en pleine croissance, puisque vous êtes encore tout jeune, et vous avez encore beaucoup de pain sur la planche, et beaucoup de choses à faire. Merci, et pour dire ces merci, je vous demande d'accueillir sur scène notre vicaire général, qui a remplacé notre archevêque tout au long de ce week-end, et on a une petite pensée, évidemment, même une grande pensée, pour notre archevêque, Monseigneur David, Dominique Marie David, qui nous a un peu manqué, mais qui était touché par la Covid. Le vicaire général a rempli sa tâche de bras droit. Je lui laisse la parole maintenant pour vous donner quelques remerciements et peut-être aussi quelques indications. Monseigneur Guillaume Paris, c'est un micro, mais ça marche. Donc juste quelques remerciements alors qu'on arrive au terme de ce concert. Je voudrais remercier Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, pour sa présence parmi nous ce matin. Remercier tous ceux qui ont rendu possible l'organisation de ce concert, Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain qui a accordé son haut patronage à ce concert, la Sogeda qui a permis de financer le déplacement de nos amis pendant leur séjour ici à Monaco, les employés de l'auditorium Régnier 3 qui ont travaillé en ce lundi de Pâques pour nous permettre de nous retrouver, et puis remercier évidemment les artistes, l'Orchestre des Carabiniers du Prince, sous la direction du Major Dréan. Merci de votre concours, de votre prestation. Et puis merci aussi à l'Académie de Liesse. Ça a été un véritable marathon, hein, parce qu'aujourd'hui, ça fait 7 jours que vous chantez, avec parfois des offices à la cathédrale, 2-3 fois par jour. Hein. Donc
un beau marathon. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire deux, trois fois quand vous voyez nous divertir tout à l'heure. J'en revoyais quelques-uns qui étaient très sages et très pieux dans des fonctions liturgiques à la cathédrale cette semaine. Voilà, merci de nous avoir montré que la joie de Pâques, elle se transmet aussi par le divertissement comme vous l'avez fait. Vous avez bien couru ce marathon, il va falloir rentrer, on est un peu triste de vous voir partir. Mais vous allez vers des vacances bien méritées et ce sera sûrement l'occasion aussi de nous revoir un jour. Merci à tous, merci à vous tous d'avoir été présents ce matin et joyeuse Pâques. Merci Monseigneur. Monseigneur Paris s'est dit au revoir. On va quand même s'en faire une dernière, non? Vous voulez pas? Ah, quand même. C'est bien, donc on va faire ça. Allez, on va encore les entendre une dernière fois. Je vous demande encore une fois, a round of applause pour l'Académie musicale de Liesse et l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Un petit bis, rien que pour vous.
Un applaudissement à l'Académie musicale de Liège. Je vous demande de se lever, s'il vous plaît, l'orchestre des Carabiniers du Prince. Merci beaucoup à Daniel Chatillon qui dirige ce chœur. Merci au major Léon. Et comme un magnifique match ne termine jamais sans un échange de pagnons. Un petit cadeau de l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Merci à tous, Altesse, Monseigneur, Colonel, merci à tous pour votre présence ce matin. Un bon lundi de Pâques, profitez bien du reste du week-end. Merci d'avoir été présents et merci aux équipes techniques. Merci.